En ce jeudi 22 mars 2018 s'est déroulé le festival Galatea, un festival international sous-marin. En cette occasion, le parrain de cette édition 2018 était Laurent Balesta, qui a ouvert le fameux festival international de sous-marin. Des photographies, un débat, une conférence pour en cette ouverture du festival. Et oui, pendant 4 jours, les 2 journées qui se sont déroulées entre jeudi et vendredi, réservées aux scolaires, et ensuite un week-end pour le public, samedi dimanche. Jean-Pierre Girand, maire de la ville de Hyères, a inauguré ce festival Galatea International du monde marin. Puisque la Fondation Carmignac vient s'installer à Port-Rôle avec un musée d'art contemporain tout à fait exceptionnel. Et je déclinais l'histoire culturelle de Hyères et son ambition. Aujourd'hui, c'est la deuxième jambe, la première, mais les deux sont équivalentes, qui est celle de la nature et de la mer. Et c'est vrai que ce festival Galatea, que vous ouvrez, monsieur le directeur, aujourd'hui, est important et réussi. La salle le démontre. C'est notre vocation quand on a un parc national, quand on a ce littoral, quand on a ces lieux de plongée, quand on a ces hommes et ces femmes photographes de talent. Bien entendu, c'est notre avenir. Donc, j'étais convaincu quand il y a 3 ans, nous avons lancé ensemble ce festival qu'il réussirait. Aujourd'hui, il est à l'âge adulte. Vous avez une édition particulièrement prestigieuse avec des parrains de haut niveau, des films de qualité. Je suis également très heureux que vous associez les enfants de l'école. Toute l'équipe Galatea est heureuse de vous accueillir ce soir pour sa 3e édition. Le Festival international du monde marin Galatea a pris ses lettres de noblesse et s'affirme dorénavant comme un rendez-vous incontournable de la région hyéroise. Je remercie Laurent Balesta qui a accepté de parrainer notre 3e festival, ainsi que tous les acteurs qui nous ont aidés, soutenus et surtout cru en notre équipe de 3 associations hyéroises. Alors AREFPAM, Déclic Bleu et 2000 regards sous la mer, regroupés sous une même entité, Galatea. La 3e édition de Galatea va vous plonger dans 4 jours d'immersion dans un monde marin, un monde riche et ambitieux vous est offert. J'en veux pour preuve la présence de 2 des plus éminents acteurs du monde marin, Yvan Bourgnon, notre invité d'honneur, skipper suisse, vainqueur de Transat que l'on surnomme le gladiateur des mers, et surtout Laurent Balesta, plongeur, photographe et biologiste. Il parcourt le monde pour nous faire découvrir à travers ses expéditions sous-marines. La Fédération, l'entreprise Eurovoile TPM, le groupe Suez, l'Institut océanographique de Monaco, l'Institut océanographique Paul Ricard, l'Observatoire océanographique de Bayeux, l'Université de la Sorbonne, l'UNESCO, la Fondation Jacques Rougerie, le réseau Mistral, le magazine Plongée, qui est très important dans le festival, l'entreprise CDH, les vins Berthaud-Bélieu, les perles Tamaris, l'hôtel La Potinière et l'hôtel du Parc. Sans oublier notre traiteur Pascal Jarre. Bonsoir à tous. Bienvenue. Ouais, bienvenue. Enfin, je ne suis pas chez moi, alors ça me fait bizarre de dire bienvenue, mais j'espère que vous avez apprécié. Voilà. Et non, je ne sais pas. J'en avais suffisamment déjà, hein, c'est bon. Non, mais déjà, il y a eu une petite confusion finalement, parce que ça, ce n'est pas le film Gombessa 4. C'est je sais pas si on était dans Star Wars, on dirait un préquel, je sais pas comment dire, enfin, le film fait avant. Ça, c'est vraiment le petit film que nous avons fait en 2016 avec des moyens assez réduits, précisément pour convaincre tous les partenaires de lancer cette grande manip dont je parle un petit peu à la fin, qui va consister à équiper un grand nombre de requins avec des émetteurs, fixer des récepteurs et puis essayer de mieux comprendre leur chasse nocturne. Et oui, pendant ces 4 jours au Forum du Casino, beaucoup de stands Lego, etc. pour les enfants, animation pour occuper les enfants et après, beaucoup de stands pour prendre des renseignements et à faire des connaissances. Beaucoup de photographies de requins, de poissons,
des photos en 3D. Beaucoup de choses étaient en ce moment pour ces 4 jours du festival de Galatea. Des conférences ont eu lieu dans la salle et à la suite des tirages au sort pendant l'événement. Que de bonnes choses ont été présentées en ce moment au Forum du Casino pour animer les enfants, les Lego. Pas mal de choses se sont présentées pendant ces 4 jours. Les 2 jours avant, réservés aux scolaires, et les 2 jours après, pour le public.